Tellement moche ce que je fais, mais je m'en fous. Je suis mort partout sur le B2, je crois. Je me suis pris des pics. Je me suis pris un golem qui m'a poussé dans le vide. Arcade mode. Ah voilà, merci, avec un pas grand normal. C'est parti. Mais Slowgrass, ça devrait aller sans la croix, par contre, la mort. Là. Gabon sans la croix, il peut être un peu relou. Ouais, c'est pas... en fait, c'est ça le problème, c'est que je vais perdre un petit peu de vie contre Gabon. Et du coup. La mort aura raison. Et la mort aura raison. Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive avec de la vie, mais là évidemment j'ai tué. Mais j'y arrive pas, ce saut j'y arrive plus. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Oh là là. Merde! C'est bien, ça me donne l'occasion d'utiliser le fouet en cuir. C'est vraiment un bruit trop stylé. Bon, il fait pas des dégâts trop stylés. Non, par contre, ouais, elle est géniale. C'est genre 60% des dégâts dans tous les cas. C'est vraiment cool. Parce qu'il y a un 2 qui part. Plus chaud. Non. Quand j'aurai le sub 40, je compte sur toi pour m'apprendre les arcanes secrètes. Oh, le 2! Mais là, je ferai peut-être un stream un peu tuto, un de ces 4, je sais pas trop quand. Peut-être la semaine prochaine, un truc comme ça. Ben moi, j'y suis. Si ça vous intéresse. Qui a l'air vraiment bien pour faire le sub 40. Et ensuite. C'est celui qu'il a fait pour le tournoi, je crois, non? C'est ça? C'est le plus récent, il en a fait deux. Ouais, ouais, le plus récent. Et il en a fait un avant qui est pas mal aussi. Ah ouais? Ouais, un peu plus détaillé, mais après il y a des trucs un peu obsolètes, mais bon, ça va, c'est pas non. Oui, c'est pas un jeu qui a méga changé. Ouais, 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 voilà, c'est ça. Et puis... Il n'y a pas eu de patch. Il n'y a plus de patch. Donc il y a des DLC. Putain. Par contre, j'arrive plus à passer la fin à l'ascension vers le droit avec les plateformes à la con comme je le faisais avant. Donc... Ça fait donc 14 minutes que je suis sur le niveau B2. C'est merveilleux. Moi, j'arrive au B. Une mort en niveau 3, 73 morts en niveau B. Sur le tour. Yes. On avait ce qu'à considérer, mais je sais trop bien. Mais putain, ce saut, mais pourquoi il passe plus? C'est mon repère qui est au frais ou quoi? Putain. Ça doit être un super long de gâteau, ça. Il va être sans RG. Bah, du coup, je voulais pas le dire. Mais j'ai faim. Mais on attend que ça. Quand t'étais pas là, et ben on a pris ta place et on disait j'ai faim. C'est gentil. Ouais, c'est à ce point-là que nous a manqué. Bah, moi, du coup, je disais tout seul j'ai faim, plutôt moins. Tout seul dans le jeu. T'entendais qu'on parlait de bouffe, de bouffe, et du coup tu disais. Non, putain, les petits. Ah, je suis trop fatigué. Ah, faut que je m'entraîne, c'est pas possible de pas savoir quoi ça se dit. En vrai, c'est de la vie, je suis un petit peu maximum. Ah! Faut que tu finisses, Gonzo, comme ça, ce sera plus. Je passerai à de l'entraînement, ça sera bon. Et vous faites une race là en fait. On est parti en même temps, on fait ça. C'est tout quoi. Où ta mère le squelette? Où tellement ta mère? Où tellement ta mère? Putain, elle commence pas. Commence pas, sinon j'appelle maman. C'est un salaud ce squelette. Salaud. Ah. Bim, 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 bim.
Quelle connerie, mais... j'avais pas la plateforme pour sauter. Mais arrête de faire ça. Allez, je suis à 100. Yes. Oh, j'ai... Ouais, je suis pas si ça s'est passé. Alors, faudra, si je marche pas. Ah, y'a des cailloux qui tombent. Ah, y'a un escalier. What? De toute façon, tu passeras pas les étages B2. Ça, je sais pas pourquoi tu dois. Non, mais je suis en train de jumeler sur ce drap là. Sur... Mais pourquoi vous me cassez? Faut que vous pas. Non, mais il est ouf ce jeu. C'est vraiment abusé. J'aime trop comme on a dit, ouais, Dark Souls, tout ça, c'est hardcore et tout, mais jouer à Castlevania 4, vous voyez. Je la connais cette musique. Oh non, putain. Bah, on va faire slow gras, slow. T'es au niveau, auquel niveau? Je suis à la Clock Tower. Grenade. Sale raclure. Le rack. Putain, mais... Bon, ce qui est quand même trop bien dans le jeu, c'est qu'on peut descendre des escaliers alors. Oui, et on peut faire prendre mieux ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup, grâce à ça, le jeu, on lui pardonne tout ça. Et on voit les cuisses de Simon de Mont pendant toute la salure et tout aussi. Tac, on voit que les cuisses en plus. Oui, on voit les bras, on voit les visages. On pourrait voir ce que c'est que cette pendule, il est dans le face. Mais genre, quand il a accroché à un. Le boss. Il est vraiment long, le fouet long. Ouais. D'où son nom, le fouet long. C'est pas un village en Bretagne, ça, le fouet long? Mon Dieu. Le frelon. Le poilon. Et Cap Fouet. Le Cap Fouet long. Cap Fouet, ouais. Bon, what je... Mais voilà. Putain, et c'est vraiment le boss de la malhonnêteté. Ok, j'ai rien à slow là. Bah, je suis déçu là. Putain. Mais comment? Ok. Mais j'ai aucune chance, je peux rien faire. On est mort au niveau 2 cette fois-ci. Il a aucun sens ce boss. Ça vraiment, il y a aucune logique. Il se respecte. Il se respecte pas du tout. Non, non, il y en a rien là-bas. Des fois tu le touches, des fois tu le touches pas. Alors que tu as à peu près le même moment quand il arrive à cligner. Mais nique ta mère. Nique ta mère. Mais putain, mais va chier ce gars, mais va chier. Il me retouche mort et ça va me faire chier. Mais je l'ai tellement touché. Non. Oh, je suis mort, il n'y a plus qu'un. C'est insupportable. N'y t'es pas sérieux, n'y t'es pas sérieux. Et bien heureusement, j'avais fini. Les engrenages, c'est joli, mais c'est pas une bonne idée. Quand ils tombent sur la gueule. Ouais, non, mais quand il y en a deux en même temps, tu passes entre les deux. Ah oui, ça c'est trop bien, ça. Et c'est trop trop bien. Putain, j'ai encore battu. C'est le meilleur moment. Quel merde. Du coup, t'as pas ta croix? Ah non, j'ai rien. J'adore me faire toucher en phase 1 de ce jeu-là, c'est vraiment trop bien pour l'esprit. Ma Gibbon sans la croix. Ouais, c'est vachement moins drôle. Oh putain, ce. Ah, ta 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 ta. Nique ta mère. Pardon. T'as fait ce boss en perfect ou pas? Parce que je pense que c'est impossible. En vrai. Ok. Bon, j'ai fait aucun boss en perfect. Pas fait finir les trucs chiants.
Et j'ai tué Slogra et j'ai un point de vie. Et c'est trop bien, j'ai pas de proie, je suis à poil. Belle armée. Heureusement, mais toute la vie. Bon, bah. Il est bonne mort. Alors la mort sans la croix, bon, il y a peut-être une avance à son. Bon, est-ce qu'on peut se dire que c'était pas une bonne idée en fait, les engrenages, hein? Parce que la musique elle est cool, mais mais il est bonne, il m'a arraché la vie. On va faire la colosse. Je vois bien que le jeu il est pas fait pour ça, le moteur du personnage, le tout, c'est pas fait pour mettre des engrenages au jeu. Ouais, mais c'est bien. Regarde la NES, elle peut faire des plateformes rondes, donc c'est trop stylé. Ouais, super. Les plateformes rondes où tu glisses dès que t'es un petit peu ah trop... Ah bah oui, tu tombes. Non, par contre, elles sont pas bien faites. Je peux dire, on peut bien faire des plateformes rondes. Oh non, t'as été... Des fois, tu passes à travers des trucs aussi. J'arrive sur la mort. Colostrap de la mort. On y va. Oh mais nique ta race! Putain! JPP! Non! Oh, Quesada! Elle est là! Première meurt juste avant le boss du niveau 3. Putain! Ah là là! J'aurais pas dû faire ça. La décision making, maman. Oh non, je suis mort! Oh putain, j'ai fait le cake. Oh la mort! Oh le juge. Mort et mort. Est-ce qu'il y a de quoi avoir un grand fouet avant la mort? Oui. Si les gens les ont tués. Bien passé le truc. Si on dit que les gens auraient besoin d'un grand fouet. Bah, je pense la mort sans grand fouet, honnêtement, je pense que c'est pas possible. Ouais, ouais, j'ai commencé par prendre 5 coups. Est-ce qu'on est safe ici? Ah non, quand même, c'est super. Oh! J'espère qu'on en prend qu'un seul. Ouais. Non! Où Saram? Saram comment? Ah ouais, la Saram là. Allez, le A2. Ah non, c'est toujours le A1. A2, oh, il y a des méduses, j'aime pas ça. Tu vas tellement kiffer les anneaux qui montent. Ouais, il rigole. Parce que je sais bien que c'est pas une vraie. Ok, bon, j'ai une mort sur les trois premiers niveaux. Une mort dommage oh, d'ailleurs. Oh putain, mais la mort là! On va être terminé. Oh le mon poulet! Prends moi mon poulet! T'es qu'un mort, il tire la mort! Ouais, la mort est morte. J'arrive! La mort morte? Moi, je vois son Dracula là, voilà, super, putain. Mais si tu m'avais donné de poulet, ça le prend. Allez. Je crois que le dernier split va être aussi long que tout le monde. C'est vrai, t'as vu, la SNES, y'a plus de clipping comme sur NES, maintenant on a mis du lag à la SNES. Ah, les gros engrenages! Ah, les gros engrenages qui tombent sur la gueule? Ah oui! Attends, mais comment je l'ai... Je sais plus comment mais comment je l'ai cette saleté, là. J'ai pas réussi à remonter, j'ai un game over. Je crois que j'arrête là, ça me sauve. Mais... Pourquoi tu... Putain! Pourquoi tu me sors des diagonales alors que je te demande pas de diagonales?
Putain, j'en ai marre. Soit c'est la manette ou le jeu, je sais rien. Oui, je suis pas mort sur la première phase du début d'Inio 4. Oh. Allez. Il est fort, c'est... La deuxième phase maintenant. Donc là c'est la même chose, mais il faut aller de haut en bas. Oh, GG moi. Continue, on recommence, allez. 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 Ah, il meurt. On nettoie vite fait. Mais toi, quand, comment? Pourquoi tu veux quitter des diagonales à la fin? J'en ai plein le bol. Super. Bon. Super. Ah ouais, mais j'ai pas assez de. J'ai pas assez de jus là. Yes. Bon, j'ai 3 morts sur le premier mini-boss. C'est bien. Je suis content. Ouais, c'est gagné, espèce de goriot. Non, faut réussir à tenir jusqu'au boss et à pas perdre trop de vie jusqu'au boss aussi. Alors il y a ce truc là que j'aime pas trop non plus. Non, c'est ça d'abord. J'avais oublié ce pattern. Ok. Ça c'est détruit. Oh, qui se met, regarde. Ça c'est détruit. Il doit être déjà au courant, je pense. Non, il a toujours marqué record. Ah ouais, mais ça. Ah là là. Le 2. Putain! Vu que j'ai les couteaux, le 2, c'est bien. Ouais, mais comment on fait pour éviter ce temps de grenade? Mais arrête de pop sur moi, espèce de rature! J'arrive plus du tout à DPS Dracula sans plus de bonus. C'est ouf comme le The Legend of Zelda sur NES, les pratiques étaient trop beaux. Et après le jeu est fou. Ok, je suis à 6 morts à la fin du niveau 4. Faut pas craquer sur le dernier niveau. Il y a 6 morts à la fin du niveau 4. Ouais. Bah, je suis mort. Je suis mort 5 fois sur le niveau 4. Alors, le début du niveau 5, c'est comme ça. Et ensuite, on descend doucement. Je vais un peu sur le côté pour remonter. Voilà. Salope! Tac, tac, tac. Ensuite, il y en a 5 blancs, il y en a 5 noirs. Eh, c'est hyper amusant. C'est de la merde ce jeu, on te l'a déjà dit, parce que c'est de la merde. J'en aime bien, moi. Ouais, bah t'as des boules, gars. Salut.
Mais il est vraiment trop amusant ce passage. Mais oui. T'es mort dans les pics ou pas? Non, je suis mort parce qu'il y avait... fallait monter avec les cerceaux. Ah mais t'es mort dans les pics. Ah oh, Et non, non, c'est une autre mort que je suis mort avant, qui est vraiment amusé. Je suis mort dans les cerceaux parce qu'il y avait un dragon qui me bloquait et je pouvais pas le tuer parce que quand je voulais le tuer avec le lasso, bah je m'accrochais dans les cerceaux. Ah oui, ça c'est bien ça. C'est un bon moment ça. Je sais pas comment faire. Allez, je bosse de faim. Ouais. Tu as les faim pour le devoir de citoyen. Ouais. Wow. À 8h20. C'est quoi le devoir de citoyen? C'est un contrôle de matin. Sérieux? Bah oui, parce que normalement il y avait des travaux dans mes parties communes et je pouvais plus sorti chez moi normalement. Il y a des travaux dans ces parties. Mais non. Mon slip est en rénovation. Mais non, mais... mais non, mais ils ont dit qu'ils allaient faire un ragréage aujourd'hui, je sais pas pourquoi aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit je vais pas pouvoir sortir de chez moi, du coup je vais y aller tôt le matin. Et les mecs ils sont toujours pas là en fait. C'est un complot du Front National, comme vous mettez tous à gauche dans votre immeuble avec des drapeaux. Putain, je suis allé, il y avait personne. Ouais, tu m'étonnes. Non! Moi j'ai fait la grande tête dans le cul. D'envoyer des gens à ma place. Ah putain! Je suis pas fou là, c'est pas grave. J'ai perdu trop de vie sur la première phase. C'est un seul jeûner à la fois, donc tu dois te faire déjeuner en même temps. Ouais. Et après, on pourrait faire un petit jeu. Eh, mais le passage avec les anneaux, mais stop quoi! Ouais. C'est un passage avec les. Le Seigneur des Anneaux. Je l'ai pas noté là-bas. Sur une plateforme, que tu tues l'ennemi, que c'est là. Ah oui, il se chie sur Frankenstein, enfin, sur la créature de Frankenstein. Ouais, voilà, quand même, s'il veut plus, il faut qu'il refasse un run stop web, je sais pas. Ah bah ouais. Ouais, c'est quand même. Bah c'est Frankenstein. Bah ouais. Bah en fait, il y a. Enfin, je peux comprendre qu'il ait plus envie. Ah bah oui, je comprends. Hein. Non, je comprends, mais c'est pour ça que tout le monde s'arrête, hein, Castlevania. C'est le stopwatch où tu passes par-dessus, hein. Ouais, en fait, tu sais, il faut récupérer la stopwatch, donc ça veut dire toucher à la même frame un truc. Et non, pas le cave, non, la stopwatch au premier niveau. Ah, ça je connais pas par contre. Bah en fait, au premier niveau, si tu touches à frame perfect un zombie et une chandelle, tu récupères une stopwatch. Et cette stopwatch, tu l'utilises pour arrêter la chauve-souris pour éviter d'attendre le robot skip du niveau. Pour la faire tout de suite en fait. Mais le problème, c'est qu'il faut utiliser aussi la stopwatch à la frame dès que tu peux. À la première frame en rentrant dans le. Donc t'as deux trucs frame perfect et ensuite il faut crit la chauve-souris qui est aussi frame perfect sur le stage 1. Putain. C'est mieux que 3 frame perfect sur le stage 5. Ouais c'est clair. Mais bon. Après t'as un frame perfect sur Dracula. Ouais. Ah ils l'ont cherché hein, ils avaient qu'à pas pousser ce qu'il y a aussi. Vous aviez qu'à pas être con moi. Hein. C'est après fou. C'est ouf hein, que les gens récupèrent leur part de mon action parce que c'est quand même un des jeux les plus optimisés. Ouais. Mais du coup j'ai essayé tout à l'heure de faire le critique sur la chauve-souris. Moi j'ai dû réussir une fois sur 100 essais quoi. Bah c'est à la frame hein, donc si tu tapes au pif ouais tu finiras par l'avoir. Mais... 14 morts. C'est même ce qui est dur c'est que c'est oui. GG. C'est que faut appuyer super tôt dès qu'elle se met à bouger, qu'elle bouge pas toujours au même moment. Du coup, je trouve ça trop dur. À chaque fois, j'appuie trop tard. Mais il faut avoir un. Je sais pas comment faire pour appuyer plus tôt, quoi. Parce que au moment où je la vois bouger, j'appuie le plus vite possible et c'est toujours trop tard. Bah, il faut appuyer. J'ai des réflexes de moi. Ouais, c'est ça. Encore 9 morts de marge maintenant. Froid, ça devient tellement trop dur. Ouais, ou alors j'avais peut-être un truc que j'ai pas pigé. Faudrait que je demande à Jean. Putain, t'as vu comment le couteau c'est trop nul, c'est 5 couteaux pour un bon killer. Ouais c'est clair. Moi ce que je vois surtout c'est que ce niveau il est trop nul. Le couteau il sert vraiment à rien celui-là.
Mais en même temps, le couteau dans Castlevania, y a aucun Castlevania où il sert. Si, genre dans Rondo, je crois qu'il, tu sais, il part un peu en diagonale, dans en, Blood, ouais, en triple, tu sais. Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'il est un peu mieux. Mais c'est pas un couteau, quoi. C'est